scotché, le c'est scotché. Je sais même pas comment l'ouvrir. Pourquoi on n'ouvre pas les commis en direct? Pourquoi, pourquoi? Oh là 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 là. C'est énorme. Énorme. Voilà, j'y arrive pas, je vais être obligée de passer à la taille supérieure de ciseaux. Bienvenue sur ma chaîne, comme vous l'avez vu dans la petite intro d'avant, je viens de recevoir un colis d'une abonnée, c'est même un petit peu plus qu'une abonnée, on est très 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 proche, et du coup c'est vraiment le colis surprise. Voilà, elle m'a simplement prévenu qu'elle m'avait envoyé un colis, donc voilà. En fait, je vous présente, comme je vous dis à chaque fois, vous avez une playlist pour aller voir les colis que j'ai déjà reçus de d'autres abonnés, des copinots, des youtubeuses aussi. Je crois que je dois avoir des swaps, des vides placards. Et ça donne... ça commence. Pardon. Ça donne une idée aussi des découvertes. Des découvertes. Et puis les crash tests. Et des fois, vous me dites, ah, Dean, tu pourras le tester en crash test et nous dire ce que t'en penses. Et... Pardon, le principal, c'est surtout pour la personne qui m'envoie le colis, qui voit mes réactions, mes émotions quand je l'ouvre. Donc, comme vous avez vu l'intro, je viens de réussir à l'ouvrir, mais j'étais obligée de changer de taille de ciseau, parce que je n'y arrivais pas, c'était vraiment très bien scotché. Donc, gros colis, hein, donc voilà, je suis trop contente, même si je râle tout le temps, parce que Isa s'est fait engueuler, bien évidemment. Et puis, ben, voilà. Ouh, c'est vraiment bien. Oh là là, tout ce que je vois. Oh, énorme. J'ai ma petite fée clochette. J'ai un message. J'ai un message plein de magie juste pour toi. Elle est magnifique. Magnifique. Alors, elle me dit qu'elle me prépare un colis depuis son retour de Tahiti à Ouf. Tu comprendras pourquoi. Quelques de mes coups de cœur, dont des produits à te faire découvrir. J'ai réussi à trouver une gamme que tu affectionnes et que l'on ne trouve quasiment plus. Oh. Je te souhaite un bon déballage. Oui, tu as bien tout enveloppé. Tu es quelqu'un de bien et cela devient... rare de nos jours, surtout sur YouTube. Je t'embrasserai très fort, Isa. Je te remercie beaucoup, ça me touche. Tu le sais, dites mes clochettes. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, je suis étonnée que tu me dises que tu me prépares ce colis depuis Tahiti. Ah ouf, ça fait déjà un bon moment, déjà, vu comment il est énorme. Et puis, en fait, on a souvent les mêmes goûts. Et ce que tu me fais découvrir, et tu m'agaces d'ailleurs, tu m'agaces. Parce qu'en général, tu te trompes pas. Kaline, elle est là. Et oui, hein, vous êtes dit, c'est bizarre, Kaline n'est pas encore là. Mais Kaline, elle est là. Mais oui. Et elle sait que je fais une vidéo. Et elle, là, elle vient de monter. Tu veux dire bonjour à Isa? Isa, t'as déjà fait aussi un petit colis de youtubeuse, hein. D'ailleurs, tu joues qu'avec ses jouets. Que je t'ai acheté, t'en as rien à faire. Oui, et bonjour les smilettes. Ma mimi, mon petit amour. Folle. C'est parti. Et là, j'ai envie de dire, oh la vache. J'ai le droit de dire ça. La première, je vois plein de choses. Hein. Et la première chose que je prends, je crois que c'est mon cœur. Mon cœur de gourmande. C'est celui-là que je voulais, que je trouve pas par chez moi. Désolée, ça va être encore ça tout le long de la vidéo, mais il faut que je fasse cette vidéo. C'est de la pâte à tartiner, nanana, et celle-là, j'ai le droit d'en manger. Elle est sans gluten, sans huile de palme, et il paraît qu'elle est au top. Je suis trop contente. Oui, mon cœur de gourmande est toujours là. Alors, je vois des échantillons Dove. J'aime Dove, Pink Sugar, j'aime Pink Sugar aussi, j'adore. Oh, des têtes brûlées rien que pour m'arracher la tête.
J'en ai plein. Alors Lily, elle est contente, elle aime bien aussi ça. Des fois, quand je l'ai, on s'en fait et celle qui essaye de garder plus longtemps dans la bouche sans le sucer, donc il y a toute l'acidité. On est un peu comme ça, mais bon. Goût, framboise, ah, je ne connais pas celle-là. Ça donne la langue bleue. Peut-être que ça me passera ma tour, je vais essayer. Cette pauvre voix que j'ai. Oh, Yorkie Candle. Ah, celle-là, c'est ma préférée. Oh, comment je vous saute dessus. Si vous ne le savez pas, vous allez le savoir. C'est une de mes préférées, parce qu'il y en a une autre qu'elle m'a fait découvrir. C'était Muffin. Muffin Myrtille. Et celle-ci, j'adore. Peter Pan me l'avait achetée, vous savez, en plus gros. Et ça, c'est Midnight Jasmine. Oui, ça sent vraiment le jasmin. Ça sent super bon. Trop cool. Je sais pas par où commencer. Donc, je vois encore des gourmandises, donc je vais piocher. Non, mais tout ce qu'il y a. Mon Dieu. Les meilleures céréales du monde. Oh, génial. Alors, ça, je vais vous montrer, mais je vais garder son étiquette. Graines de lin et de courge. Alors là, tu vas me faire découvrir quelque chose. S'il y a certaines filles qui l'ont, dites-moi ce que vous en pensez. Favrichon, je connais pas du tout. Sans huile de palme ou des champignons. Les calories, s'il vous plaît, madame, les calories. Pour 45 grammes, 209 calories. Donc, nickel au petit-déj. Ah bah merci, Isa. Vraiment génial. Cool. Alors oui, je vais tester ça. Ensuite, je prends un paquet au hasard. Tout est enveloppé. C'est vraiment Noël avant l'heure. Installez-vous, parce que je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. Qu'est-ce que c'est ? Et en plus, je crois que tu m'avais dit qu'il y a aussi ta fille qui s'appelle comme la mienne, qui a mis tout son cœur aussi dedans. Donc, s'il te plaît, si tu peux me lui montrer mon gros bisou, je te remercie, Lisa, d'avoir mis aussi tout ton cœur dans ce colis. Je t'embrasserai très fort. Tu es une magnifique, jolie jeune fille et adorable comme ta maman. Je te fais plein de gros bisous. Alors, je viens d'ouvrir. Je ne connais pas. La fille de l'air. Je ne connais pas du tout. J'adore en plus ses parfums. Et Isa me fait découvrir toujours des choses. Ou alors elle me snap. Elle me dit le thé. C'était comme ça d'ailleurs. La marque Fitti Detox. Je peux vous assurer qu'il est trop trop bon. Et c'est sur un snap. Hein. Si vous entendez du bruit, c'est normal. J'ai tout ouvert. Il fait 36 dehors. Hein. Alors ça, je vais garder ça parce que la déco, elle est géniale. Ça m'a l'air d'être frais. Ça sent trop bon. Ça sent le frais. La fille de l'air, c'est la dîne. Ça sent bon, ça me rappelle un parfum. Je me demande s'il n'y a pas du Neroli dedans, dis donc. Ça me rappelle vraiment le parfum. Ben là, ils ne mettent pas les senteurs. Je vais regarder ça. Il y a fleur d'oranger, néroli ou un truc comme ça. J'ai envie de tousser. C'est chiant. J'en ai marre. Je me plains à ma mère, mais ma mère, elle peut rien faire que m'écouter, la pauvre. C'est saoulant, je vous jure. J'en rigole, mais des fois, je rigole. Ah, une petite bouteille de douche, peut-être. Kaline, elle est au casse, dit, elle a encore à bouffer. Non, pas vraiment. C'est une gourmande aussi, malgré que je ne lui donne strictement rien de notre nourriture. Mais elle fait l'aspirateur, je l'appelle comme ça d'ailleurs, parce qu'en fait, quand je finis de manger ou autre, ou même quand j'ai fini de faire la cuisine, elle va, je vais prendre mes ciseaux. T'as dû passer un temps fou, Maïsa. Oh, je l'adore. Oh, je l'adore cette gamme-là, la gamme guimauve. Oh, je l'adore. Arrête de dire, on le sait. Je l'adore. Merci.
Ça, les filles, je vous le conseille. Allez chez Nocibé. Vous avez toute une gamme de senteurs pour mettre dans le bain, sur votre corps. Les autres toilettes, je ne sais pas s'ils le font encore. Mais ça, Guimauve, elle devait partir. C'était Barbapapa à la place. Et là, elle est là. Hein. Nickel. J'adore. Alors, j'aime bien, soit le matin, soit le soir, je me lave avec... évidemment, Sandrine, t'es bête, tu laves avec un petit paquet comme ça. Et du coup, ça sent vraiment trop bon, le sucré, quoi. C'est adorable. Donc là, vous entendez sûrement une petite pleurer, elle pleure tout le temps. La pauvre, elle doit plus avoir de cordes vocales comme moi, je sais pas pourquoi, elle pleure tout le temps. Qu'est-ce que c'est? Oh, des masques! Cool, Vichy! Je les ai vus, ça, en parapharmacie. Et je me suis dit, tiens, tester, ça pourrait être pas mal. Là, t'étais dans ma tête. C'est des unidoses. Donc ça, c'est sympa aussi si vous partez en vacances. Vous mettez ça dans votre trousse de toilette. C'est top, quoi. Cool. Prendre celui-ci. Made in Tahiti. Ah là là, tu m'as ramené de Tahiti. Alors, j'ai envie de dire, aux fleurs de tiare, mon oeil, je peux dire que ça. Qu'est-ce que ça va être? De Tahiti, tu m'as ramené de Tahiti, non mais... C'est énorme. Attends, ça commence à monter là, l'impression. De Tahiti. Ça va être ça. Ça va être l'huile de... Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, génial. Coconut, coco, la monoï avec la fleur et tout, génial. Il y a la gousse de... C'est la gousse de vanille qui est dedans. Regardez, il y a la gousse de vanille dedans. Génial. Made in Tahiti. Oh, oui, Sandrine. Monoï coco naturel. Oh, génial. Il se fige en dessous de 20 degrés. Réchauffé doucement pour le liquifier. Oh, trop, trop, trop. J'ai une copine, son mari, il est militaire, mais il est de la Réunion et ils avaient été mutés. Et elle, c'était le parfum à la vanille qu'elle m'avait ramené de chez eux. Rien à voir avec ce qu'on peut trouver chez nous. Là, c'est énorme. Je suis vraiment heureuse. Canine, tu ne touches pas les papiers, s'il te plaît. Oh. Qu'est-ce que c'est? Le bidon, est... Non, mais il est rempli. Mais oui, Martinique, depuis ton retour de Tahiti. Ah ouf, tu m'as pourri gâté, là. Avec ta fille. Relaxine, cool. J'en ai entendu beaucoup parler. Cette marque de soins, jamais testée. Donc ça, pareil, je vais finir, je vais mettre dans mon bec, comme on dit, la youtubeuse, et utiliser quand j'aurai vraiment fini, parce qu'il y a une eau micellaire, une crème jeunesse, crème corps, et l'eau, j'arrive pas à voir, peut-être pour les yeux. Ouais. Belle découverte aussi. Alors. Je regarde sa fille, il y a la batterie, il y a tout ça, tout va bien. Oh là là, en plus, tu as dû vraiment te prendre la tête à vraiment tout. Non. J'ai reconnu le packaging, c'est Clarence. Et je lis à l'envers. Ben voilà, tu dis dans mes pensées, enfin tu le savais, de toute façon je voulais me le prendre. C'est l'éclat minute en épaisseur de lèvres. Donc il y a une mousse, je vous en parlerai. Et je pense que ça va être dans un de mes favoris parce que je l'avais testé chez Sephora Nocibé. et j'avais dit que... Je me le prendrai. Donc en fait, c'est un embellisseur qui a bien sûr un goût. Mais c'est surtout pour parfaire, lisser les lèvres. Ça va être naturellement coloré. C'est une gelée fondante qui hydrate, répare, protège, qui apaise et tout. Et l'huile minute, donc elle était juste à côté de ce produit-là et j'adore. Donc là, moi, ça va être une super découverte. Je suis vraiment... I'm happy! Faites quelque chose, docteur. Ils font rien, les docteurs. Mais s'il faut, ma vie. Ah, c'est quoi ça? Tu vas l'adorer. Alors voilà,
mon pochette en organza avec un cadeau dedans et je vais l'adorer. Je vais l'adorer, je vais l'adorer, je vais l'adorer. Donc c'est quelque chose que tu me connais pour me dire, ou c'est un de tes coups de cœur que tu aimes et tu sais que je vais aimer, parce que de toute façon on a vraiment les mêmes goûts. Qu'est-ce que ça va être? Ou c'est un bijou. Dans un papier de soie, je fais doucement. Oh, il est magnifique. Oh là 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 là, c'est un porte-clés. Oh là là. Je vous dis oh là là parce que je vous montre. Il est trop 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 beau. Il y a une étoile, il y a un trèfle, il y a un cœur, il y a une plume. Je suis désolée. J'ai vécu beaucoup d'événements ces derniers temps, puis là je suis à fond de poésie du coup, ça me touche énormément. Vous allez dire l'autre a pleuré pour un porte-clé, mais c'est que en plus ça a une histoire. Je peux même plus parler. Ça a une histoire avec Isa. Elle m'avait offert un attrape-rêve en porte-clé. Et malheureusement, bah, si vous voulez, mettre dans le sac, mettre dans la voiture, tout ça il était magnifique et il s'est détérioré au fil du temps. Et puis du coup, bah, Peter Pan, sans faire exprès, il a achevé le pauvre. Et du coup, bah, là voilà, je vais le remettre à mes clés. Il est magnifique. Franchement, il est trop trop beau. Oui, je vais l'adorer, effectivement. Quoi. C'est vraiment ma fée clochette et la position de la fée clochette, je suis en train de me la mettre sur le poignet, elle pourrait bien venir ici, tu vois. Il est trop beau. Je vais juste le remettre là et je vais le mettre sur mes clés tout à l'heure avant de partir au travail. Ah oui, non, mais il y en a, mais c'est énorme, quoi. Mais tout ce qu'il y a, oh là là, c'est énorme. Alors... Vas-y. Je prends mon temps, ce qui est normal, je découvre et puis voilà, j'aime pas non plus faire les choses vite et puis c'est pas cool, je trouve. Putain. On n'a pas le droit de dire des gros mots quand on est une youtubeuse. Bah là, je l'ai dit, putain. Guerlain, cils d'enfer, saut, volume. Ah, ok, d'accord, je comprends ton poste aussi maintenant. Mais t'es une sacrée maline. Il est magnifique, c'est un bijou, mais énorme. Mais t'es une malade, mais une malade. Je te jure, Isa, vous me connaissez, hein. En plus, vous m'avez vu dans mes lives sur Facebook, donc voilà. Je te jure, tu seras en face de moi. Bon, déjà, dans un premier temps, je te serrerai dans mes bras, je te dirai merci, mais tu t'en prendrais une. Parce que là, c'est trop, franchement, c'est trop, quoi. Pff, énorme. Je suis une fan des mascaras, donc elle le sait. Il y a certains mascaras que j'ai pas testé. Punaise, en plus, c'est une brosse comme j'aime, quoi. C'est les brosses en silicone. Bon, bah, les gars, hein, c'est parti, hein, parce que je sais que vous allez me demander de me faire ce crash test-là, mais bien évidemment, je vais vous le faire. Merci. S'il d'en faire ce volume, tu vas y avoir droit. Ensuite, un tube. Alors ça, c'est soit un gommage, soit pour un nez, pour le corps, soit un gel douche. Tu vas pas te planter, Madine. Et dépêche-toi, il faut que j'aille au boulot en plus. Enfin, dépêche-toi, je veux pas me dépêcher, mais il faut que j'aille au boulot. Bulleuse et joueuse. Je ne connais pas. Un gommage doux pour le corps. Yes, alléluia, je n'en ai plus. Je l'ai fini, le mien en plus, et je connais pas. Je suis une bulle joueuse, ouais, c'est vrai en plus. J'arrive pas à sentir l'odeur par contre. Fleur d'oranger, pomme verte, ok. Ouais, j'arrive pas à sentir l'odeur, de toute façon, là je suis un peu détruite, on va dire. Voilà, je ne connais pas du tout, donc ça fera aussi crash test et je vous en reparlerai. Belle découverte. Là, dis donc, les découvertes. Et Kaline, tu laisses le fil électrique, tu vas te le prendre. Ben oui, Mimi, hein. On mange pas les fils électriques. Hein. Attention! Attention! Fil! Donc ça, c'est un pot. C'est du pâté. C'est du pâté vegan. Je sens ça te faire rire. Je pense pas. Oh, c'est la crème pour le corps qui va avec. Cool! Ben, peut-être la crème, je vais la sentir. Est-ce que je vais peut-être mieux arriver à sentir que le tube. Oula, c'est collé. Ah là oui.
C'est étonnant la pomme. Je sens la pomme. Il n'y a pas la fleur d'oranger. C'est gourmand. Et pour le soir, ça va être sympa, je pense, ça aussi. J'aime bien aussi quand je suis en repos, pas quand je vais au boulot. C'est-il sympa, mon beau pâté. Ça va être cool. Encore des belles. Et non, mais Isa, ça s'arrête quand, là? J'ai plein de têtes brûlées. Je pioche dans le fond. Alors ça, je dirais bien que ça pourrait être la suite de la guimauve. Ça serait bien, si c'était pas le gel douche, ça serait pas toi. Bingo! Je suis trop contente. On la retrouve plus cette gamme. Mais tu sais, j'ai même pas envie de l'utiliser. J'ai envie de la garder, de la mettre, de la garder en déco. On la retrouve vraiment plus. Elle est vraiment, vraiment, j'adore. Elle est top cette gamme-là. Et ils l'ont remplacée par Barba Papa. Ça sent un peu pareil. Enfin, dans mon OCB. Oula, ce moment était folle. Dans mon OCB, ouais, c'est Barba Papa, je crois. Donc là, oula. C'est quelque chose de très lourd. Il y a deux produits dedans. C'est enveloppé, mais tu as fait ça vraiment, vraiment trop bien. Ouh. Un lait démaquillant miel propolis, un monde de miel, là je ne connais pas, et la lotion tonique miel et propolis. Oh, je ne connais pas, belle découverte, un monde de miel. Alors attends, faut que je sens. Oui, bah on va partir, toi. Un lait démaquillant. Oh, c'est doux, ça a l'air de sentir bon. Alors, pas pour le soir, mais pour le matin, quand tu te réveilles. Un coup, plus ça derrière, ça va être génial. Waouh. Oh, ça sent bon. Ah oui, ça va être pour le matin. Ça va bien m'aller, ça. Rafraîchissante, altérante. Ah ouais, ça va bien me le faire. Oh, je suis contente. C'est une belle découverte, là. Miel et propolis. De toute façon, si tu m'as mis ça, c'est que tu les connais et que tu aimes en général. Cool. Je fais attention. Bon, j'ai perdu mon ciseau dans tout ça. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air de tout mou. C'est tout mou. Oh, génial. C'est tout mou parce que c'est super bien enveloppé. Là, tu sais quoi? Mon prochain lundi vient boire un café avec moi. Et ben, ça sera... On se retrouve pour ça. Elle est trop belle. Elle est trop, trop, trop. Puis ça me fait penser à paillettes ou gourmandises aussi. C'est génial. Elle est trop belle. Et c'est pile poil même pour boire le thé. J'aime bien celle-là parce qu'elles sont fines. Trop belle. Magnifique. Merci. Alors j'ai échantillon. Oh, je l'aime bien lui. Le baume de rose, ça fait très longtemps que je l'avais en échantillon, j'avais bien aimé. C'était Nuxe, crème correctrice ride, white, tubéreuse, je connais pas. Oh, dis donc, le packaging du parfum, il est super beau, regardez-moi ça. Je connais pas, là. Oh, bah ça, je vais sentir ça. Réminiscence, je connais pas du tout. Alors, hop, Sephora, le fond de teint perfectionné. Eh bien, je ne le connais pas, c'est quelle teinte? Médium, je testerai. Bah, peut-être pour maintenant, parce que je ne suis pas dans mes teintes, là. Le fond de teint, le correcteur, il est top. Bah, ça me fera l'occasion de tester le fond de teint. Oh, bah, il y a un tout petit qui se promène, là. Ça, je ne vais pas peiner. Pour moi, c'est un rouge à lèvres, à mon avis. Le paquet que tu m'avais envoyé, je ne sais plus quel mois... c'était énorme aussi, plein de découvertes avec des gros coups de cœur et un rouge à lèvres. Je connais pas non plus, c'est un rouge à lèvres Sephora, le Duchesse numéro 38. Attendez que j'ouvre. Ah,
Oh, bah tiens, les machins, ils sont sauteurs en plus de ça. Ouh, Sephora. Ils emballent toujours bien, Sephora. Choix la teinte, c'est une teinte un peu violet, bois de rose avec des paillettes. Waouh, c'est vrai en plus. Il est trop beau. Vraiment des paillettes. Ah, oh, puis en plus, il est. Ça fait un brillant à lèvres en fait. Avec des super reflets. Ben, je connais pas du tout ceux-là, de cette gamme-là. Les Sephora Rouge Brillance. C'est plutôt sympa au niveau packaging. Hein. Oh, dis donc, les champs de premier parfum, là, la fille de l'air, là. Oh, il sent bon. Ah ouais, dis donc, trop bon. C'est con que j'ai mis mien, sinon j'aurais pu mettre lui. Pour Lisa. Oh, merci. Bah, je l'ouvrirai pas. Du coup, ce que je ferai, c'est que je lui ferai ouvrir quand je l'aurai. Et je te la ferai faire en vidéo, soit personnelle, que je t'enverrai en message, ou en MP, enfin pour toi et pour ta fille, parce que je sais qu'elle y est aussi pour quelque chose et je vais pas. Elle aime bien ouvrir et c'est vraiment trop gentil pour elle. Vraiment, merci. Merci. Elle va être super contente. Non, mais il y en a encore combien là, Maïsa? Alors, ça, je dirais que c'est un produit. Un produit pour le corps, peut-être. C'est bleu pour le dessus. C'est huile nacrée pour le corps. Waouh, mon gars. Et tam. Ça, j'adore. Aujourd'hui, je me suis mis l'huile pailletée de chez Sephora. Et elle est, je trouve, très, quand on l'a mis dans la main ou qu'on l'applique sur soi, très, très, très colorée. Mais les paillettes, on les voit un tout petit peu. C'est quelque chose de léger. Donc, sur un bronzage, ça doit ressortir plus que sur ma peau à moi. Je la secoue. Je sais pas pourquoi je secoue les yeux. J'arrive pas à sentir l'odeur. J'ai l'odeur du parfum qui a pris. Voilà. Donc, c'est dans la gamme bulleuse, luxueuse. J'ai pas ça par chez moi, par contre, cette marque-là. Ou alors, c'est que j'ai jamais fait attention, mais non, je crois pas. Même dans mon autre ville, je crois que j'ai jamais vu. Ouais. Je vous la refais, un gel douche, un gommage ou un lait pour le corps. Qu'est-ce que je pourrais te dire, là? Un gel douche. Dans la gamme bulleuse joueuse. Et, je sais pas. Ah non! C'est dans ma gamme préférée, le lait exfoliant pour le corps. Ben, j'ai perdu un peu, mais j'ai quand même gagné. Trop cool. Alors ça, tu vois, celui-ci, par contre, je ne l'ai pas testé. Et celui-là, je pense que je vais me le faire toute seule. Parce que vous avez vu déjà mon aventure avec Peter Pan qui m'avait vidé un pot entier. Ouais. J'ai plein, plein. Alors attendez, oh allez, je vous le fais, ça va m'arracher, ça va me faire tousser et je vais me laver les dents. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Nature moi après shampoing couleur éclat. Cool. Je connais pas. Oh. Je connais la marque, mais jamais testé. Démêle et protège cheveux colorés et méchés. Sans sulfate, ni silicone, ni parabènes, non testé sur les animaux. Cool. Dites-moi si vous connaissez, si vous avez déjà testé. Donc, et je pense que bah, celui-ci, ça doit être le shampoing. C'est bien, je vais intervertir avec mon Elsève.
Je prends le sève L'Oréal. Et ouais. Et bah ça va être une belle découverte. En plus, c'est naturel. Donc si ça fonctionne, je vais même le tester sur du long terme sans même utiliser le L-Save. Parce que si ça fonctionne, on va passer à ça. Hein. Parce que sans sulfate, sans silicone, sans parabène et en plus pas testé sur les animaux, bon, quand même. Cool, je te remercie vraiment. Et ça sent bon. Hein. Ce serait pas la grenade, ça. Groseille et huile pépins de raisin. Ça, j'ai hâte de le tester. Prochain shampoing, je me fais ça. Et pour finir, donc j'ai le Givenchy, le dernier. Live Irrésistible. Deux Live Irrésistible. La CC Crème HD Herbe Orient. Et j'ai toute une pochette d'échantillons. Donc je vais avoir plein de tests. Oh là, la petite robe noire, ça c'est pour ma mounette. C'est son parfum préféré. Furterer, hein, j'adore cette marque. Brochet, il y a plein, c'est trop beau. C'est vraiment... Et puis dans le fond, je vous dis pas, j'ai plein de bonbons. Hein. Alors je vous montre, hein, c'est un test en live. Je finirai après. C'est pas beau de parler la bouche pleine déjà que... Oh bah ça fait joli. Déjà que je peine à parler. Isa, je te remercie vraiment énormément du plus profond de mon cœur. Tu es vraiment un amour. Là, tu m'as couverte de cadeaux. C'est génial. Je vais pouvoir tester. Il y a la gamme que j'adore. Tu m'as fait tester au niveau même alimentaire. Enfin, c'est vraiment top, 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 top. Je te remercie du plus profond de mon cœur. Tu remercieras aussi ma fille. Enfin, non, c'est pas la mienne, mais ta fille. Pour aussi tout ça, pour vraiment d'avoir emballé tout, d'avoir fait ça avec votre cœur, ça me fait vraiment énormément plaisir. Et puis tu me connais vraiment par cœur, c'est vraiment moi, et même s'il y a de toi, parce qu'on a des points communs énormes d'ailleurs, voilà, c'est là. Pour vous mes smilettes, vous allez découvrir de nouveaux produits, c'est ça aussi qui est génial. C'est le partage et c'est vraiment top quoi. Voilà, je sais, j'ai été pourri gâtée et je suis trop contente. Même si, voilà, ça mérite ça, mais bon, c'est vraiment génial. Je vous fais plein de gros bisous à toutes. Isa, je t'embrasse énormément fort. Voilà, tu seras en face de moi. Comme je t'ai dit, je te ferai des câlins, des bisous et tu t'en prendrais une. Je t'en fais plein, 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 plein. Je t'embrasse fort, fort, fort. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.